Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver. C'est l'heure de votre entretien culture et aujourd'hui on parle d'Utopia. C'est le titre de l'exposition de l'artiste Mounat Sharrat, une exposition qui vient d'être inaugurée à la galerie Abla Babou à Rabat et qui dure jusqu'au 9 décembre. L'occasion pour nous de découvrir cet artiste et également ce lieu d'exposition à Rabat en compagnie de nos deux invités. Mounat Sharrat, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Et également Abla Babou, donc de la galerie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, la première question, évidemment, on est intrigué par le titre de cette exposition, Utopia, avec un E qui est entre parenthèses. Alors, pourquoi ce titre et que veut-il dire, pardon, Mounat Sharrat? L'utopie, on connaît tous à peu près, on a tous une idée approximative de ce lieu rêvé, parfait. Et Utopia, c'est l'écrivain Thomas Moore l'avait rajouté ensuite pour simplement limiter l'idée à le lieu du bien. Et ce lieu Utopia, du bien. Utopia, c'est le lieu du bien. C'est le lieu du bien. Alors que Utopia, c'est le lieu ailleurs, mais qui n'existe pas vraiment. Voilà, c'est juste une petite nuance. Ça veut dire que Utopia, il est plus réel, il est plus accessible? C'est un lieu plus accessible? Non, c'est simplement que je précise plus ma pensée. Je pense à ce lieu de bien. Et comment vous l'exprimez, alors, ce lieu de bien, à travers ce travail artistique que l'on a l'occasion de voir aujourd'hui à la galerie Abla Babou? Que peut-on voir dans cette exposition? Eh bien, écoutez, plusieurs œuvres, mais dont le sujet central est toujours la pierre, et à travers la pierre que j'utilise comme un médium, essayer d'interroger, de faire que la personne aussi s'interroge, la personne qui regarde essaye de se dire quel est le lien entre la pierre, l'homme, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que la pierre, et voilà, c'est toutes mes interrogations autour de l'homme et de la condition humaine. Mais il y a une espèce de dialectique aussi. Absolument. Parce que la pierre, c'est la terre, c'est ce qui ancre, c'est la racine. Oui, et en même temps, l'utopie, c'est le rêve, c'est voilà. Au contraire, c'est l'élévation. Donc c'est cette dialectique-là que vous avez essayé de souligner. Il y a toujours un jeu dans mon travail des contraires. J'aime jouer et faire penser que mes pierres peuvent être aussi très légères, un peu comme nous, un peu comme notre condition vivante, organique, mortelle, et puis cette élévation aussi. Et la pierre à l'intérieur recèle, bien sûr, on le sait tous, les scientifiques, tout un tas de gaz minéraux qui font qu'on... La vie, voilà. Et bon, c'est nous à travers... elles sont un peu perdues, comme ça, un peu comme nous, dans notre langage, dans notre perfection qu'on a peut-être oubliée, Et j'aimerais qu'on revienne... Qu'on revienne et qu'on recroie en l'homme... Qu'on n'oublie pas notre grandeur, d'une certaine manière. C'est cela votre message? C'est exactement ça. Voilà. Abla Babou, qu'est-ce qui vous a séduit dans le travail de Mounat Sharrat? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exposer ce travail? Alors, j'ai toujours beaucoup aimé le travail de cet artiste que je connais depuis plus de 10 ans, ça ne rajeunit pas. Et j'aime l'évolution de son travail qui est très cohérent. Alors au départ, ça a commencé avec des flèches, ensuite des pierres. Mais il y a toujours une démarche très cohérente qui nous renvoie à nous-mêmes. Et comment vous la définissez, cette démarche, ce cheminement? C'est une démarche honnête, humaine, je dirais même humanitaire. Elle est pour moi la quintessence de la quête artistique, où justement un artiste cherche à améliorer le monde, à nous donner une plus belle vision du monde. Et c'est ce qui me séduit vraiment chez Mounat, et depuis le premier jour. C'est un sens très philosophique, finalement, à ce travail artistique. Vous le qualifieriez ainsi? C'est une projection esthétique de vos interrogations philosophiques? Absolument. C'est bien dit, très bien dit. Mais comment vous l'avez structuré, et surtout comment vous en avez témoigné à travers votre parcours artistique? Parce qu'il y a cette exposition, mais vous avez aussi exposé dans une exposition collective de dessins. Oui. C'est quoi les différents supports que vous utilisez pour traduire cette quête? Je cherche toujours différents supports pour essayer de synthétiser esthétiquement mes questionnements. Et dans le dessin, c'est encore plus... parfois... évident, peut-être aussi que ma pensée se précise de plus en plus avec l'expérience, c'est tout. Comment s'est faite votre rencontre à toutes les deux? Vous évoluez dans le domaine de l'art, donc j'imagine que c'est une rencontre d'abord autour de l'art. Oui, mais grâce au journalisme, parce que j'ai commencé avec le journalisme et l'occasion, justement, un métier qui m'a ouvert les portes, la porte vraiment de l'art, de la création, c'est ce qui m'a donné le virus, c'est ce métier-là. Et je l'ai rencontrée en l'interviewant. Et c'est une artiste qui m'a émue d'abord par son travail et puis de par sa personnalité pleine de doutes, de questionnements et d'honnêteté intellectuelle. Ça, c'est important.
Alors, vous venez de l'évoquer, vous avez commencé comme journaliste. Aujourd'hui, vous avez cette galerie. C'est la découverte de ce milieu qui vous a donné l'envie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce lieu que vous avez ouvert il n'y a pas très longtemps et des activités qui y sont proposées? Le journalisme a donné le virus, mais un virus qui était déjà là, vu que je suis toujours restée dans le journalisme culturel. Donc, quelque part, c'était faire mes premiers pas, découvrir les ateliers, la vraie personnalité des artistes, avec cette belle carte de visite qui est le journalisme, où toutes les portes s'ouvrent. Et de là, bah, j'ai ouvert avec un associé une première galerie. Et ensuite, là, c'est mon petit bébé. Avec une programmation assez diversifiée. Vous aviez commencé avec une exposition de Mahi Bin Bin, donc qui est quand même qui a eu la gentillesse et de me dire oui. Et ensuite donc avec Monet Chadat, qui est une artiste que je suis depuis très longtemps. La prochaine exposition aura lieu en janvier avec de la sculpture Nordin Amir et un sculpteur italien, Giovanni Casellato. Et ensuite, je ne vais pas tout vous dévoiler. Là, maintenant, vous reviendrez pour nous en parler. Monet Chadat, il y a donc cette exposition actuellement. Est-ce qu'on peut avoir une idée des projets sur lesquels vous travaillez actuellement ou des autres expositions à venir? Mais disons que je commence à travailler, mais bon, je laisse au fur et à mesure de l'actualité. Est-ce qu'il y a des sentiers que vous rêvez d'explorer en tant qu'artiste? Parce qu'on sait que chez un artiste, la quête ne se termine jamais. Mais est-ce qu'il y a des sentiers qui, pour vous, restent encore inexplorés aujourd'hui? Mais écoutez, on va voir. Peut-être qu'après cette exposition, il y a un travail autour de la lettre et de la danse que j'aimerais. De la lettre, c'est-à-dire la lettre, l'écriture. Mais en 3D, absolument, en sculpture. Bah voilà. Ça, c'est un début d'un travail qui se profile. Voilà, la matière? Là, c'est en bois, mais il y a d'autres matières qui doivent rentrer. Oui, voilà. Moi, je l'ai appelé le marcheur. C'est un walker en anglais. Il y a un côté de danse, parce que le mouvement de danse est aussi quelque chose qui s'apparente à une écriture. Et moi, je n'ai pas envie d'aller là-dedans. On va voir. Eh bien, on a hâte de voir la suite de Merci votre travail. Donc, on rappelle, Utopia, c'est une exposition qui se tient jusqu'au 9 décembre prochain. Il y a un site internet, une page Facebook de la galerie pour suivre les absolument, activités. Absolument. Page Facebook? Page Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Vous êtes partout. Partout. Merci beaucoup. On essaie. Merci à vous. Merci à vous deux, Monet Chadat. Merci infiniment. Merci à Blanc Merci d'avoir beaucoup. Été avec nous. Et puis, on espère vous recevoir en janvier pour votre nouvelle exposition. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien culture, mais restez avec nous. L'information continue dans un instant sur Médien TV.